C'est une soirée de bonheur, de plaisir, alors que toute l'année, on fait des choses pas très agréables en général. On s'occupe d'enfants en difficulté, on va à Calais voir des enfants mineurs isolés, on fait des choses qui sont lourdes. Et le soir du gala, on est tous détendus, très contents, et on écoute de la musique super avec des gens formidables. À gauche, s'il vous plaît. Voilà, est-ce qu'on peut avoir les deux? Moi, je pense que c'est peut-être le mot enfance quoi, qui évidemment résonne en moi. Comme en beaucoup de petits garçons devenus un peu moins petits garçons. Et puis aussi bah, parce que j'ai connu des moments difficiles personnellement quand j'étais enfant. Et puis ensuite avec certains de mes enfants qui, pour hélas, certains d'entre eux ne sont plus là. Donc voilà, à chaque fois qu'il s'agit d'une cause qui touche à l'enfance, je viens. Et là, singulièrement, celle-ci, enfance majuscule, parce que Simone Chalon, parce qu'aujourd'hui Patricia Chalon, ont fait un travail formidable. C'est important de défendre les droits de l'enfance. Et puis moi j'ai deux enfants, donc je suis assez sensible à ce genre de cause. Et puis c'est toujours important de participer à ce genre d'événement. Ouais. Quand on est journaliste, qu'on présente des émissions d'information où les guerres sont dramatiques en priorité pour les enfants. Voilà, je suis toujours touché de voir ces images. Donc si je peux, par ma présence, apporter, aider un peu les associations qui viennent en aide aux enfants, c'est super. C'est un gala qui nous tient tous à cœur, non ? Donc ça me fait un plaisir et un devoir d'assister. C'est une soirée que je ne manque sous aucun prétexte parce que le thème de l'enfance m'est très cher, l'enfant réfugié en particulier. Puis j'aime beaucoup notre présidente et puis les amis qui sont réunis. Et puis alors pour la soirée elle-même, cette soirée musicale autour de notre ami Radulovic, c'est un bonheur. Il faut tout un village pour élever un enfant, dit un proverbe africain. Ce que nous essayons de faire ensemble au sein de l'association Enfance Majuscule et avec vous ce soir, c'est d'être ce village attentif, engagé et protecteur autour des enfants pour faire reculer toutes les formes de violence et leur donner la force de se défendre eux-mêmes. Il est de notre devoir d'entendre leurs paroles et de la porter jusqu'à ce qu'il soit impensable d'entendre un enfant désespéré de la vie. Nous avons besoin de vous tous pour faire respecter leurs droits. Cette soirée est un symbole du soutien fort que vous apportez à notre association. De par notre action, nous essayons aujourd'hui encore et toujours de protéger l'enfance. Nous tentons de faire entendre la voix de ceux que, par définition, on n'entend pas. Toutes les catégories d'individus qui prétendent à des droits ont aussi des devoirs. Seuls les enfants n'ont que des droits. L'époque que nous traversons étant notre mission, nous invite à une plus forte mobilisation, à plus de vigilance. Ce siècle de grande migration nous offre tous les jours le spectacle d'enfants en détresse. À force de répétition, ces tragédies ne nous émeuvent plus autant qu'elles le devraient. La véritable tragédie, c'est de s'habituer.
Je trouve que c'est terrible parce qu'on est tous les ans, on se répète un peu la même chose en se disant peut-être qu'un jour on n'aura plus besoin de faire des soirées comme ça. Et tous les ans, il y a des horreurs qui viennent nous rappeler que ces gosses ont besoin de nous. On a été confrontés à un drame de l'enfance inouïe, comme on n'avait pas vu depuis longtemps, qui est lié aux réfugiés, qui est lié à cette espèce de flux de gens qui suivent des guerres, des conflits, des guerres civiles. On a rarement vu autant d'enfants abandonnés dans la détresse, etc. Donc, d'une certaine manière, ça s'aggrave. Mais ça ne s'aggrave pas parce qu'on s'occupe moins de l'enfance. Ça s'aggrave aussi à cause de conflits qu'on a provoqués. Alors, moi, je suis persuadée que la paix commence par une jeunesse heureuse et par l'éducation. Donc, je pense que si on se bat et on protège l'enfance, la paix est possible demain. Donc pour moi, c'est des causes qui me paraissent cruciales. Je soutiens Enfance Majuscule parce qu'au quotidien, ils ont des actions sur tous les domaines auprès des enfants. On a vu ce qu'ils ont fait dernièrement sur l'excision, qui était très important. C'est aussi, voilà, quand on parle aussi de ces femmes maltraitées, c'est aussi avant tout, quand on traite mal les enfants, ça part de là. Tout ce qui touche les enfants, moi, ça me bouleverse. Et en plus, je trouve que la présidente et Richard Berry ont très très bien parlé. Et puis c'est vrai ce qu'a dit Richard, les enfants ont tous les droits, mais les adultes ont tous les devoirs aussi. C'est un combat malheureusement sans fin, mais qui avance quand même. Et je pense que les enfants ne sont pas traités de la même manière quand même aujourd'hui qu'il y a quelques générations où il y avait des choses qui étaient même presque pratiques courantes dans certains milieux et tout. Donc, c'est une bonne chose que les gens prennent conscience et que l'être humain évolue. De l'émotion de voir tous ces gens, de voir la générosité de Nemanja Radulović, qui fait que cette soirée est toujours extraordinaire. Ça met une ambiance de telle chaleur que tous les gens se sentent amis, confiants. C'est vraiment formidable. En France Majuscule, c'est vraiment une association qui doit servir d'image pour plein d'autres associations parce qu'ils s'engagent vraiment. Et évidemment, nous, les musiciens, on est plus que contents de pouvoir participer et être un peu associés aussi à l'image de l'Enfance Majuscule maintenant. Et voilà, c'est du grand bonheur. Patricia et son équipe font un travail absolument essentiel, magnifique et très difficile et très ingrat. Il faut absolument les aider, il faut les soutenir et il faut, à travers leur action, pouvoir être nous-mêmes vigilants autour de nous et chez nous, quoi. Empêcher la maltraitance et l'inintérêt et l'exploitation des enfants. Je souhaite leur exprimer toute mon admiration et mon amitié. Je sais tout le travail merveilleux qu'ils font pour des enfants, pour les enfants victimes de violences, pour les enfants qui n'ont plus de famille. Et c'est quelque chose qui me touche profondément. Bravo, bravo de prendre de votre temps, bravo d'être pugnace et chaque année se battre. Je vous remercie tous pour ce que vous faites. Chacun à notre niveau, on peut agir. Et quelle que soit la façon dont on le fait, c'est important de le faire. Donc je vous remercie tous d'être là et de continuer. Et j'essaierai toujours de faire, moi, à mon niveau, ce que je peux faire pour les enfants. Écoute, dès demain, tout ça, tu sais, comme Cendrillon,
ça va disparaître. Et il y aura à nouveau sur le terrain à les convaincre, à aller expliquer à des instituteurs ce que c'est que la maltraitance, à des infirmiers qu'est-ce que c'est que le bébé secoué, à des gens faire de la prévention pour que la maltraitance recule. Bon, à part les dons, évidemment, ce n'est pas encore assez clair. On ne sait pas exactement comment on pourrait donner de sa personne. C'est très bien déjà d'aider sous forme de dons, ça permet aux autres de faire des actions, du bénévolat. On a besoin de bénévoles pour faire des tas de choses. Donc on peut venir frapper à la porte, téléphoner en disant « moi je vous donne du temps ». On peut donner des tas de choses de soi-même.